Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde va bien? Ils ont reçu un appel. D'après eux, il y a des problèmes chez nous. D'accord, ouais. D'accord. Vous voulez aller jeter un œil? Ce n'est pas vraiment un temps pour s'entraîner. Les filles n'ont pas des devoirs à faire. Elles font leurs devoirs. Tund est première de sa classe, tout comme Lynn et Isha. Ça m'ennuie pas que vous disiez qu'on est dur avec elles. Vous savez pourquoi? Parce qu'on l'est. C'est notre boulot de pas les laisser traîner dans la rue. Vous voulez qu'on parle des filles? Parlons des filles. On a des futurs médecins, des futures avocates et deux futures stars du tennis dans cette maison. Je vais être sincère avec vous. Les chances de réussite du projet dont vous me parlez sont vraiment très très faibles. Vous faites une belle erreur, mais tant pis pour vous. Regardez-les faire quelques balles. D'accord. Vous vous appelez comment déjà? Moi, c'est Vénus. Et moi, Serena. Alors, qu'est-ce que vous en dites? J'ai écrit un plan de 78 pages décrivant leur entraînement avant qu'elles viennent au monde. Oui, chérie, bravo! Elles sont brillantes! Pourquoi j'ai jamais entendu parler d'elles? Elles viennent de Compton. Tout va bien. Ils ont simplement pas l'habitude de voir des gens aussi beaux que nous. Elle est tendue. Rentre dans le cours. Elle ferait peut-être mieux de carrément sortir du cours, histoire de se mettre à l'abri. Vous avez entre les mains le prochain Michael Jordan. Eh non, mon frère. Désolé, moi j'en vois deux. Tu vas franchir une nouvelle étape. C'est pas seulement toi que tu vas représenter toutes les petites filles noires du monde. Moi, je te laisserai jamais tomber. J'en suis sûr. Ces gens n'ont jamais eu le moindre respect pour Richard Williams. Mais vous, ils vous respecteront. Tu vas entrer sur le court la tête haute. Tu es une championne. Et le monde entier le sait. La créature la plus dangereuse sur cette planète, c'est une femme qui sait réfléchir. Oui, papa. Rien n'est impossible pour elle. Tu vas leur montrer ce que t'as dans le ventre? Oui. Vénus et Serena vont changer le monde. Vénus Williams, qui est ton meilleur ami? Toi, papa. Serena Williams, qui est ton meilleur ami? Vénus. Ensuite, c'est toi. Juste après Vénus.